Mesdames et messieurs, bonjour, frères et sœurs. Il y a de cela des mois que nous avions commis l'arrivée ici à Beerstown, dans l'Illinois, l'arrivée de l'homme de Dieu, le docteur Roger Bouleli. Donc, le docteur est déjà ici pour animer les 3 jours des enseignements que l'ensemble des élus de Beerstown, laquelle structure qui est dirigée par les frères Patrice ainsi que Léonel Chembo. Donc ils ont organisé une grande journée, où je vous l'avais dit, sur l'enseignement sur les 7 sceaux, les 7 sceaux de l'Apocalypse. Donc, Betela Kibino Ngouke, docteur Roger Bouleli Akozala Awaboye, pour notre cadre d'enseignement. Voilà. Donc le docteur est ici avec nous. Donc nous avions il y a un entretien dans le cadre de notre émission Tremblin avec le docteur. Donc, docteur Bokoyo Kaye, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, depuis combien de temps Azana Katia Makambo et Akosai Lanzame et tout. Et puis, le point focal, il y a un enseignement. Miracle, ce qui est donné à Zanini. Donc, le point où on a abordé, on a fait l'émission Oyo, tout ça, le docteur Roger, il est ici, il est avec nous. Donc, la émission tout ça, comme ça, et permettre de nous faire bien. C'est quelqu'un vraiment qui s'est démarqué à Théa Mingi, Marambouya Dim, Théa Mingi, puis Marambouya Biémela, c'est-à-dire les gens qui chantent des chansons qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de fondement. Donc, voilà, docteur Roger Bouleli. Puis, à plus, à la présentation, quand on est au Loubaron, les alliés de Konabino, tous ces mouni, les mots qui se mignent, les coachs, ou à Coaching TV. Donc, à plus. Merci. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonjour. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur. Nous sommes dans la joie de recevoir un invité de marque dans le cadre de notre émission Tremplin sur Coaching TV. Vous savez que chaque fois que nous venons vers vous, c'est pour vous apporter quelque chose de constructif, de quelque chose qui édifie. Coaching TV, dans nos habitudes, nous avons l'habitude de produire des vidéos à caractère éducatif. Mais cela ne nous empêche pas aussi d'accorder la parole aux leaders d'opinion, aux gens qui ont un message important à faire passer. Donc c'est pour nous une joie incommensurable de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous entendez souvent parler dans les réseaux sociaux, dans les médias. Cette personne-là, c'est le révérend docteur Roger Bouleli, qui est ici à mes côtés, que vous voyez. Docteur, bonjour. Bonjour. En tout cas, premièrement, nous vous souhaitons le bienvenu ici aux États-Unis. Merci. Parce que vous avez quand même effectué un long voyage de la Belgique jusqu'ici. Donc, pour nous, c'est vraiment un honneur que vous nous faites et surtout que vous venez pour partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs qui habitent dans cette contrée. Alors, comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Comment a été le voyage? Ce n'était pas facile, donc c'était quand même 7h ou 8h du temps. Donc j'ai quitté à 11h, je suis arrivé ici à 12h, mais à l'espace de 8h. Wow. Donc c'était compliqué, donc du coup il y a eu ces décalages d'heures. Et ça m'a quand même amené beaucoup de complications au niveau de bien comprendre le système. C'est là-bas qu'on voit la grandeur des dieux. Okay. Donc, voilà. Voilà, donc merci. C'est là-bas qu'on voit la grandeur de Dieu, comme le docteur vient de le dire. Alors, je tiens à préciser que notre entretien ne sera pas forcément francophone. Pour tous les amis, surtout en français. Voilà, donc notre entretien, c'est en lingala et en français, en bilingue, quoi. Pour permettre aussi aux nombreux enfants de Dieu qui ont adopté le lingala comme leur première langue. Donc, voilà. Ils ne sont pas forcément obligés de parler français. Alors, docteur... découvrir pour la première fois sur notre plateforme Coaching TV, docteur Roger Bouleli, donc dites tout ce que vous pouvez dire pour que les enfants de Dieu arrivent quand même à vous connaître. Merci beaucoup. Donc d'abord,
Roger Bouleli, c'est un frère, donc le terme docteur ou révérend, j'aime pas trop. Donc c'est vraiment un frère, parce que d'abord, le révérend, la seule personne qui peut révérer les choses, c'est le Seigneur lui-même. Donc le terme révérend, normalement, c'est pas approprié pour nos ministres. Bon, peut-être au cours d'un ministère, il y a enseignement, mais j'aime qu'on m'appelle le frère Roger. Donc, le frère Roger, c'est en fait un père de 4 enfants, marié à une femme, ça fait plus de 20 ans, sans rival. Vraiment. J'aime toujours dire ça. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma femme. Ça, c'est côté vie privée. J'ai fait mes études et puis au niveau de la Belgique, nous sommes bien positionnés par rapport à vie professionnelle. Donc, ça, c'est première partie. Deuxième partie, le frère Roger Bouleli, c'est un ministre. Un ministre qui a commencé d'abord dans l'assemblée des dieux, auprès à Papa Nkelani Pata, auprès de Jacques Vernon qui n'est plus, entre autres dans la Borne. On a travaillé avec, bon, quand je dis travailler, c'est Mbazaki Bayene, c'est-à-dire le Roland Dallo, et il y a d'autres personnes, dans la cité Bakombo Bato Bayebi. Donc, on a évolué dans la Borne, mais après, Naki Okeneangola, là-bas, j'ai évolué avec un pasteur qui s'appelle Nzazi Mabidi Pedro, mais qui n'est plus à Koufa depuis longtemps. C'est là-bas que la Vandi maintenant pour Opusa Ozaï la connaissance ministérielle et éthique ministérielle. Il y a ce qu'on appelle la connaissance ministérielle dans le cadre et enseignement, et il y a ce qu'on appelle éthique ministérielle. De ça, le ministre rebelle, Zungolou, il y a quoi, il le balance, mais l'air au talier dans l'éthique ministérielle, au lobby, mais il y a Outawa, tu vois. Donc, tu y a quoi, il y a l'éthique ministérielle, tu as poussé l'éthique ministérielle, et jusqu'à ce que tu as dit que le missionnaire, il y a Tinda Kibiso, tu as l'ongo Angola, tu as Poto, Poto instauré, tout installé, au fait, au Babengaba, sous paroisse, mais dans le compte, il y a Angola. C'est comme ça que je suis venu en Europe. Donc, et j'ai évolué jusqu'à ce que j'ai rencontré de bien-aimés des assemblées de saints, c'est-à-dire le René Mouboyaï et tout le bien-aimé. Et c'est là-bas que j'ai évolué aussi avec eux, jusqu'à ce que le temps était venu où il permettrait que je dois maintenant voler de mes propres ailes avec la grâce que le Seigneur avait déjà mis en moi depuis 89. Je souligne ça. Depuis 89 que j'ai commencé à prêcher. Depuis 89, mais il faut comprendre que tout ministre est en réseau banda, il y a toujours ce qu'on appelle de Bamikua et bah sende gozala, il faut que longo longo malé malé betimbi sinayonyo se rozanga mikua, c'est-à-dire mtazo liango a senti te coacher mukua na mungongo, tu vois. Donc il y a la perfection. Ils ont un ministre morta bimamba moi ça parfait non ça l'a raté. Alors ben, on a toujours une erreur, c'est avec le temps des imperfections. Donc nous on a commencé depuis 89. Donc n'a pas parcours tout au nyo sonaza nango lelo ezali ensemble, il y a bagage au nyo sonazoa. C'est-à-dire ezala l'ensemble des dieux, ezala ba église de réveil, ezala na ensemble de saints, ezala parcours nanga ça va, et aujourd'hui nzamba ça ibiso ngolu toza otozali lelo. Et à part ça, comme je dis, Roger Bouleli c'est aussi un homme en fait, qui travaille. Donc, quand je dis travailler, c'est pas seulement dans les choses de Dieu. Nazali, quand même détenteur, il y a certificat et diplôme, il y a logistique administrative, pour lui permettre que je travaille à mes propres frais par rapport à Moussala Mounene, de société Mounene Nazano. Voilà. Alors, merci. Donc, vous avez quand même eu une idée sur ce que le docteur Roger Bouleli. Alors, le docteur a précisé que c'est depuis 89 qu'il est dans les champs dédiés comme ministre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie, ce n'est pas quelqu'un qui est parvenu. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré, qui connaît de quoi il s'agit. Alors, docteur, nous signalons aussi que vous êtes ici dans le cadre des enseignements que l'ensemble des élus de Burstown organise. Burstown, c'est une ville dans l'état d'Illinois, comme on appelle ici. L'état d'Illinois, c'est aux États-Unis. Alors, maintenant, pourquoi seulement vous? Pourquoi votre choix? Parce que de Burstown en Belgique, c'est quand même beaucoup d'heures de vol. C'est Burstown, la distance est vraiment considérable. Mais pourquoi seulement vous? Parce que dans notre contrée, ici, il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Votre choix est justifié.
appuyé par quoi? Et si c'est parce que vous connaissez ces gens-là ou bien si c'est parce que ces gens-là vous portent tellement à cœur, vous enseignez bien, dites-nous un peu vous-même. Merci beaucoup. Dans ces faits, pour nanini kakayo. Ben, il faut comprendre que je travaille souvent dans des réseaux sociaux. Donc, il y a eu une vision depuis longtemps, avant même Nakutana, Bandekolanga et Ensemble de Saints. Nazaki déjà a eu une vision, il y a qu'on travaille dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai travaillé plus dans des radios. À l'époque, il y a Skype, je crois. Je faisais déjà, animais déjà des émissions pastorales. Mais Nazaki na groupe Nazali, Nangole Lote. Et c'est là-bas que les gens m'ont connu. Donc, façon dont il y a côté, il y a qu'on présentait, je faisais plus de débats. Nazaki n'a pas de débats. Na bengisi moutou, toche, écriture, na stable, tout ça, na table, tout ça, les débats. Et c'est de là, Nanzela, bah, réseaux sociaux et jusqu'à présent avec des émissions phares neti biemba yemba tu vois donc tellement en pleurs presque partout dans le monde. Nous allons voilà en donc aussi. Ce sont des émissions phares comme ça et des débats sur la dîme si beaucoup de sujets peut-être donc évoqués. Ah ouais, c'est là-bas que les gens m'ont connu et je m'aurais te dit que c'est quand je dis beaucoup de gens alors beaucoup de gens jusqu'à ce que mes frères Chembo que je salue en passant, Lionel Chembo, Patrice Chembo, Étienne Chembo, voilà. Donc ce sont vraiment de bien-aimés qui ont écouté ce que je présentais. Bah, dit, non. C'est que Dieu a chaki bango na motema ezaki le roi moni mutso azo luke loko siko ayeko mona ngo tant ba moni makam nazo présenté babi c'est que Dieu nous avait mis à cœur c'est ça. Ils ont commencé à me suivre et le ko le loko e botarambu maso muta sepel na yo ndeto le barabolingo ata olingi mutu na Illinois yo vandara na Taiwan vraiment bolingo wana bo mona trajet wana te vraiment parce que bolingo za makase o mona na fudi billet pour bolingo ezasu na distance. C'est à partir à Bolingo et Évangile, des bandes de Guabi. Non, et aux Alamieux, au Yaota, la Bisso, à Illinois. Donc, distance, il y a 8 heures du temps, il y a vol. Je vous dis que c'est loin. Mais Tato, Yosa, Moussa, Namboka, Oyo. Donc, nous avons besoin de Koum. Mais le thème sur lequel ces enseignements-là sont articulés, c'est oui. Alors, on a tout un angézali, tellement on a proposé qui bango. Que tant on aurait tout le monde va cette so, bien bango va prendre qui après va proposer. En fait, thème il y a cette so, bango va proposer parce que je crois ceux qui osent aller restaurateur, yo osent un bilo qui belé au lambaka. Muto a linga un bilo qu'on a yo, c'est-à-dire menu na yo. Alors, ça yo, est-ce que quoi que l'on par exemple un jumbo. Nzombo na madesu na olio na kwanga moto parce que yo lamba kango siko yo nto ba okay olinga ona pilipili tobi parce que yo bi jeni ba lamba kango donc ngala za na ba menu ebele alors muto azo bengisa biso ton de kwazo bengisa biso asa posa lia biloko moko boye yo lamba ka etika na muto alors de kwa proposer nga bino na biloko na yo belo lamba ka ya ko lambela biso de cette so donc c'est comme ça que to ya kinango. Je suis vraiment épaté par votre réponse. Merci. Monsieur Zalaki, frère Chembo, nous pouvons en presse le dire, c'est une église naissante qui commence. Voilà. Monsieur Zalaki, fallait pas le thème ni ceux qui laissaient sauter. Ceux qui Zalaki ngai, l'engina senga. Voilà, voilà. Ceux qui Zalaki ngai la senga, bango thème, l'engina sa bango. Pourquoi il faut toujours aller là? Ok. Pourquoi il n'a pas été zonga, n'a pas été kende? Parce que la tebe baba, ton kende lo la te, biso kende lo la te. Parce que nous devons kende lo la se katika ozala kunate. Lo la bato ba kende za bato ba uta kuna. Ils ont dit Amérique est aux États-Unis. Est-ce qu'Amérique va na kende Amérique? Non, c'est que ça va pas, il y a un problème. Amérique la te na ok. Congolais nous devons le baki na kende Amérique. Pourquoi ça mboka nete? Mais un Américain, soit ça na Congo, ba na zonga Amérique, moni. Donc ba na nzambe biso to zonga rendelo là. Donc na te a thème du genre ya ndeni to ko sa po to zonga lola. C'est-à-dire to utaka kuna ce to zonga ndenge nini. Ba thème abongo nde eza ba thème yo soki zakinga ndenge na proposer pour la sa to ke ba to nyo sauter ba zonga ba lola. Il faut ka ba o ba uta kuna nde ba kende. Alors beaucoup sous ma bande quoi la différence à quel niveau Kende lola, oui. La différence est telle. Oui, Kende lola. Voilà. Voilà. Parce que écriture, parce que là, tu aussi une écriture. Bibili est le dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. One écriture à l'imposo. Deuxième écriture est le dit l'agneau des dieux a été immolé
avant la fondation du monde. Donc, le monde existe en Anouté, mais il y a besoin de prendre un bisou. Ce que je vais prendre un bisou, c'est que je vais prendre quelque part. Ce que je vais prendre un bisou, c'est que je vais prendre un bisou dans ma belle. Le roi va tenir sur ma belle, il faut tout zonga. Tout zonga, personne va prendre la rabisse. On a un critère qui est de. Oui, ils ont un critère. Parce que pour ma ponaïo, et que vous avez osé faire partie de la famille Nabisso, il faut beaucoup de sémences à papa. Et ça, on dirait, on avait toujours dit ça. Au moins, là, tu es à Porto, tu es à la place de mon roboé, tu es à la place de mon asile. Azo senga azile za wati yo ndongo zalia wa oyo ki son ya kombe ya famille na bino mutaso wa boka ngo ya boka ngunda aboka ngunda na kombe ya famille ngana ebi bien ah abo ki ngunda le na yo ki ngwa e senga se ngola ah seki na kutanya famille na ebi tant aussi ça na tuné ah ndeko ah yo na ki boka ki kombe ya famille tel eh oui ah bon oyo ebi tel na ebi ete oyo ebi tel bon o koma place tel. Vous avez une famille en athée. Vraiment. Donc, tu comprends que ça a un combo. Il y a une des cas, une des cas. Ce que Christ est béni, il y a un bon. Il y a un chrétien, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un grand frère tel. Il y a un peu de temps. Il y a une place tel. Il y a un peu de temps. Écriture tel. Tu comprends que ça a une famille en athée. Donc, ça a un combo. Il y a un peu de temps. Il y a un Christ. Mais il y a un Christ. Mais ce que pour y a un Christ, il y a vrai. Il y a un Christ, il y a un béré. C'est-à-dire, mutu autant wa yo ka sepel mais avant tout non mituna ya mboka na bango. Il faut répondre ye. Si ba passe be ba okima, so retourner mituna bi yo ba ndoko ma rebelle. Pour que mutu na mituna ya mboka oyo. Mais yo so za passe ya solo. Si ko bi mboka na biso expliquer nga. Vraiment. Ya ko tolo ba ki lobby, ba pese écriture pas pasteur, pese biso penser à écriture selon mboka na biso passer à kokite. Nde yango problème. Donc je profite de l'occasion pour saluer notre frère Lionel Chembo. C'est Nayoka comme on a mis pas naïf. La Christ y a béré. Voilà. La Christ y a béré. Voilà. Alors nous revenons à l'essentiel, à ce que nous disions. Dans votre introduction, vous aviez dit que votre ministère porte sur l'enseignement. Oui. Pourquoi seulement l'enseignement? Quelle oui. place vous accordez à l'enseignement? Oui, parce que l'enseignement, en fait, il faut comprendre que le ministère, c'est un don. Donc, ce n'est pas que tu vas te fabriquer étant tel ministre, ce n'est pas possible. C'est comme je dis toujours, si tu es informaticien, tu es journaliste, il ne faut pas forcer. Il suffit seulement qu'on te voit devant, enfin, ayant tes questions et la façon que tu travailles, tout le monde va confirmer que non, ça, c'est un journaliste, et ça, c'est un informaticien. Il n'y a pas à forcer. Si tu as eu cette formation, tout le monde le verra. Donc ici, moi étant enseignant, ma façon de présenter les choses, ma façon de prêcher dans l'œuvre du Seigneur, la façon d'aider les bien-aimés à entrer dans le champ du Seigneur, c'est vraiment un enseignant, de quelqu'un qui entre dans la profondeur des Écritures pour ressortir les choses qui sont les plus difficiles de la Bible et le donner, l'essayer de que cela devienne malléable, facilement à manger pour qu'il n'y ait pas des abus par rapport à la compréhension. Ok. Et voilà. Alors, parce que vous vous êtes accaparé de l'enseignement, l'enseignement est devenu votre champ de prédilection. Quel regard vous portez sur l'enseignement des autres serviteurs dédiés? Est-ce que il y a des fois où vous vous dites, ah, ce serviteur-là, si bien que l'enseignement, ce n'est pas son domaine, mais il a quand même bien enseigné, ou bien vous rejetez en bloc tout ce que les autres serviteurs enseignent? Okay. Quel est votre regard, votre lecture sur les autres enseignements? Super, je crois que dans les ministères, on a 5 ministères. Le 5 ministères travaillent dans ce qu'on appelle la complémentarité. Nous nous complétons. Moi, je peux être fort dans la profondeur, mais tu vas voir que l'autre a la capacité d'exhorter. C'est pas qu'il est moins, non. Il est juste une personne qui me complète. Parce que moi, je ne suis pas trop fort peut-être à l'exhortation. Je ne suis pas trop fort d'expliquer des grandes prophéties parce qu'il faut qu'un prophète puisse l'expliquer. Mais du moins, nous nous complétons. Et l'enseignement, il n'y a qu'un seul enseignement, il n'y a pas deux. On n'a qu'un seul enseignement. Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur l'enseignement. Un seul enseignement. L'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, il y a un seul enseignement, mais le un seul enseignement, il y a 5 manières, en fait, de ministère qu'il faut le préciser, il faut présenter. Mais là, chacun de nous, avec la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur, c'est pas qu'on a été à l'école théologique pour avoir le titre de docteur, mais c'est par rapport au don, la grâce que Dieu a mis en nous, que j'essaie d'expliquer. Donc, le regard envers les autres, s'ils présentent la nourriture comme il faut, par rapport à la grâce
qu'il a reçu, je dis gloire à Dieu. Donc je ne peux pas le regarder comme étant des personnes qui n'ont pas, qui ne savent pas présenter. Si seulement ils sont dans l'enseignement des prophètes et des apôtres, là il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui nous avons d'autres enseignements. C'est-à-dire quelqu'un qui vous vient, qui te dit docteur, pasteur, prophète, évangéliste ou apôtre, mais la façon qu'il présente la nourriture, ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien à voir avec l'enseignement des prophètes et des apôtres. Alors là, cette personne-là, nous disons, ce sont des infiltrés. Vraiment. Là, on voit directement par rapport à leur enseignement, ce sont des infiltrés. Ils n'ont jamais été dans les conseils de notre famille, comme je le dis. Donc, alors, voilà. Les choix de ce ministère, parce que vous avez dit qu'il y en a cinq. Oui. Comment vous avez su que moi, mon ministère n'est pète que le ministère de l'enseignement? C'est quelqu'un qui vous a poussé, c'est quelqu'un qui a guidé votre choix. C'est quoi? C'est vous-même où vous êtes décidé, bon, moi je vais prendre de tels ministères, je prends le ministère de l'enseignement. C'était votre choix, l'a été guidé par quoi? Ça, c'est très bien. D'abord, il faut comprendre que Dieu a créé des hommes avec des talents. Tout homme a des talents. C'est à toi maintenant, homme, parce que Dieu, il ne peut pas être injuste là-dessus. C'est à toi maintenant, homme, de découvrir ce que tu es. Nous avons eu de regrets par rapport à d'autres journalistes. Il n'a jamais eu le don de journalisme, mais il veut s'auto-proclamer journaliste. Il veut s'improviser. Voilà, s'improviser journaliste. Et directement, tu le vois. Tu dis, non, ça, ce n'est pas un journaliste. Vous voyez? Donc, on le voit directement. Donc, on ne peut pas s'auto-proclamer. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un don. Et tout le monde verra que non, telle personne a les dons de l'enseignement. On le verra. Et le fruit va suivre après. Donc, dans le ministère, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas s'auto-proclamer. C'est en fait la grâce qui est en toi, avec les temps. Parce qu'il faut demeurer avec le Seigneur, exercer. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la formation. Après la formation, il y a ce qu'on appelle prendre. Dieu doit te prendre. Après avoir que tu as été pris, Dieu doit maintenant te placer. Et si Dieu te place, c'est parce que tu as la capacité de cultiver et de garder le corps de Christ. Donc nous, maintenant, la grâce que nous avons eue, Dieu nous a fait la grâce d'avoir ces talents-là, cette grâce, d'enseigner comme si on était de grands professeurs. Mais bon, ce n'est pas qu'on a été à l'école pédagogique. Je n'ai jamais fait de la pédagogie. Mais quand tu me regardes, tu te dis, cet homme-là, il a vraiment la grâce de présenter les choses de Dieu simplement, mais il entre dans la profondeur. Et quand il entre dans la profondeur, il ressort avec quelque chose qui est compréhensif et tout le monde reçoit la grâce de Dieu. Okay. Voilà. Alors, dans ce ministère de l'enseignement, quand on suit vos vidéos, vous êtes trop apesanti sur la dîme, sur Biyemba Yemba, c'est-à-dire les frères, les musiciens chrétiens qui chantent n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais d'abord prendre Biyemba Yemba. Pourquoi est-ce que vous a donné trop à ça? Ce Batbao Yemba Biyemba Yemba est talio nanini. Est-ce que c'est parce que osa jaloux de la musicien? Ou bien c'est parce que vous avez Biyemba Yemba wana et qu'on dérouté Bana Yanzambe? Dans les églises actuellement, oui. il y a vraiment beaucoup de choses inacceptables. Mais il y a un peu de choses qui sont dérangées. Je crois que Koyemba est un message. C'est-à-dire, si par exemple, au CPLACA, dans le CPLACA, ceux qui m'ont balé à ces pèlerins, moi, si n'a été au cabaye, mignon sur Aosa et l'Enzembo. Nzembazo, ça, ils ont vraiment le bas normal, mais bachango mélodie. C'est ça. Donc, chanter, c'est prendre un enseignement, un message au tchango en mélodie. Si vous tentez, on va bien bayemba, et il y a dit que enseignement, l'iloba, oh, tchè la kata Nzembo, et kokanite na le vrai enseignement. Donc, Yosalimbeka oyo tobonze. Non, aussi. Il y a bien sûr, donc, on peut s'en aller. Aussi,
Yesu asaka mbeka nzamba bonza po na biso. Tema pe ba frère ba imba mo ba style mo bo eno kola ba saint. Donc bomona ke zaka ka bien. Non non. Eza libanda. Nzembo kola Yesu yo zalata fololo. Nalo na yo na monte mananga okosi. Yesu asa fololo. Biblia c'est le mi kazara Jésus est la fleur de la rose de Saron. Asa déjà fololo. Alo na mona monte mananga déjà. Poso alo na monte mananga te ça va pas. Osomona moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka okosi nza nzembo ya célèbre fait à l'aime mais oui okosi okosi pourquoi parce que j'aime beaucoup moloto hein. Donc il rien à voir na kena ina bango non j'aime banzembo na wana ya ba point de vie na yo donc na muto za mur il faut yo ka ba point de vie ba tout voilà donc la place où wana tozo la sa peuple que Baba yo karanze mo biyo kelate. Tango zo kanze manzambe kangisa ona enseignement. Alobi moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Supposons toza na mboka o toza Illinois hein. Donc tout ça les prières wana. Nzambe kitisa moto ezikisa misala ya satana na Illinois. C'est-à-dire ozo sanzambe kindumbe za sote. Ozoeb sanzambe ba criminalité monde ba bomawat na minduki et oza so souté ozoeb sanzambe ba homosexuel ici là parce que comme si ni non paris ni paradis toté parce que les soumets souté mta ko sa souté misa satana ba vie misa satana ça dit ko sa souté correspond à souté donc il dit comme paradis est-ce que na tant tozali terre ko comme paradis to congo non. Donc moi j'ai prié dans année prier mais prier quand il y a du bon là on s'est maté. Tout ça mon là. Bien tout le bac en ce moment là dans mon tourna il était focus dans le domaine moko par exemple magie misala ya tam sous bato ba kamba mboka na nguya ya molili te ya lobby bon yo ko pesa yo lilo ba sous te yo tika le lo kwa lobby o mon elo côté là te yo côté ni ko ni ko bongise la ye oh ya mo ko bongise te yo ko ko bongise le ya lobby moto kitisa moto yaya ezi kisa misala en général si yo ngo si se misala tu ya sa kasi paradis boto ke lo na sosani vraiment mo ki se ko paradis za mazisi misala tu ya sa tanto ke sous radite mboli ka seman les afo on attend aux ali biblia écoute le bi bademo bazo bonga pour revenir na terre c'est le l'enseignement yosko bi basique sa misala ya satan mais si tel est le cas ba to yo ba bando ye melenza me ba ko amuke poso de la logique no wana bat ba roza la pinza fou ba raisonner ba réfléchir 7 fois avant ko commander mbo avant ko commander mbo to le bara toujours il faut za moto ye bien enseignement okoki jamais ko te konini ko sala nzembo soki oyebi enseignement o fouté il faut yeba enseignement avant sala nzembo voilà mais apparemment bato ba yebi enseignement na bato ba yebi enseignement à mon humble avis c'est comme si bato ba yebi enseignement ba ngonde bazé belé bon quand ndengo lobby ba yebi enseignement ce que ba so yebi nzambe pourquoi donc les accords de ya auto zone les accords pour gagner moi mbongo pour côté quoi moi va te passer belé hein là ça rentre mon côté ca CD pour puis côté ca CD vraiment déjà interdit côté ca CD mais bango ba oya ba profiter à enseignement ba tcher ba ni côté ca CD pour son mbongo et comme commerce vraiment alors dans vos enseignements aussi l'autre point sur lequel vous apaisantez trop c'est la dîme bon très bien que bah enseignement on a y a dîme vraiment sur bandiango ou déjà pour côté en conflit na basa yanza mais belé pour ce mot à celle église na y est mon pasteur titulaire bah dîme y'a pas na y est mon talier en quoi ça dépend ça rangon d'engaligné alors y a aussi qu'aux hôtels mais là mais on va dîme moi n'était qu'aux là en conflit na basa yanza mais belé non les hôtels mais à dîme te les hôtels mais l'année qu'aux joie qu'aux y'a bissa peuple que Bazoyeb sabango il faut ba fouta dim na tango ya grâce. Or dim est biblique. Dim et pesa mangi na tango ya loi. Mais est-ce que na tango tozali, il faut te fouta li sous dim. Parce que dim na tango ya loi et za babenga ngo impôt, na tebino na anglais babenga ngo nini. Eza impôt ya mabele. Osomona eza taxe foncière. Ça dit ndebo va na mabele ya batu ya Illinois awa, bo fouta rambongo mo po na mabele na bango. Si on zambe le kola besoka mabele ya Israël, a pesi Israël, nzamba chaka ki bo fouta ra taxe.
Bon, fouta mbongo ya mabele. Mbongo ya mabele ezali les 10% il y a telle chose. Si ko mbongo wa ndenge bazo fouta yango biso maintenant en tant que peuple lelo na terre grâce. Nga la vanda na Israël était. Et ko bana ndenge ni na bana ko fouta taxe foncière o ba pesa na Israël. Bah on m'a dit non, il y a salaire à l'homme de Dieu. Ok. Ce que c'est le salaire de l'homme de Dieu, tout le temps, on m'a salaire à l'homme de Dieu, il y a la proportion, il y a un dixième. Tu dois croire que l'homme de Dieu doit manger, tu dois croire que l'homme de Dieu a droit à un salaire, mais salaire, il y a la proportion, il y a un dixième. Tu pour la carte, il y a Bible, tu as la proportion, il y a un vingtième. Tout ça en proportion, il y a un cinquième. Tout ça en proportion, il y a un dixième. Donc, ma proportion, c'est lié belé par rapport à Moussala et Sengila qui est ça. Mais est-ce que salaire de l'homme de Dieu n'attend de la grâce? Est-ce que proportion dans nos alliés un dixième? Tout le monde, non. Et ça combien alors? Yes, nous allons bien, on va écouter. Yes, à l'objet, ceux qui bouquent côté à la ville, beaucoup de bana ya kimia. Boko tananda ko ambo pesa bango kimia bolia bomela biloko nyoso bako pesa bino parce que yango ande zali salaire na bino c'est ça donc c'est que ça sur comme un dixième té et comme biloko o bako pesa bino voilà donc songa ina pesa nga yo 100 euros siko so ni sanga na nini na saki na 200 nga pesa 100 euros o pesa té ko pesa nga 100 euros té baba ko pesa nga dim donc pesa nga 20 euros non. Donc, on a un peu ça, on a une peu ça, on a un ça, c'est-à-dire, ce que Dieu met dans mon cœur pour la paix, il y a un peu ça, comme la repèse en yonso, comme la repèse en paix 1 euro, comme on peut dire la paix sur la main, on a une difficulté, on a un peu ça, donc on a un peu ça, on a un peu. Mais ce que le Coran a dit, que, à part que le Coran a dit que, on a un peu ensemble, on a un peu que, bateau a participé dans l'ensemble, on a un offrande. Parce qu'on participe dans le bien dans le bango. Maintenant, l'administration de l'ensemble, désolé, parce que le pasteur n'a pas le droit à l'Olia, il y a un salaire. Salaire, il y a un salaire. Et ça, la proportion, c'est. Et ça, la proportion, c'est-à-dire que le salaire, l'homme de Dieu, a un montant tel par rapport à l'entrée au Ekoti, dans le Moussala. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant vous adresser aux enfants de Dieu. En ce qui concerne la dîme, ça, le quoi, ôté, bah, on a monté pour la dîme, quand y a dîme, basalanini, bafoutanini, bafoutawapi, pour la oétali dîme, donc vous pouvez vous en dresser. Bon, j'ai déjà le terme dîme, et aussi maintenant, il y a un dîme. Donc, on a eu un dîme, que l'homme de Dieu, a azoté abino, a un droit à l'IA. Parce que Bibi est lobby, Moutou, a zo kanga mounoko yangombe, tant a zo travaillé, bozo lembisa ngombe wana, a ko travaillé te. Il faut ngombe a zo travaillé à lia. Mais ko lia na ye, quantité a zo lia, bo lobate ke, ko lia ka un dixième te. Yo ba bien on zamba pesio, yaka ko participe na ona moussala en zambé, maintenant zamba ko yeba ko lesa, ba sali na ye. Parce que plus on zan ko participe, il faut pas oublier que loi yako lona pe yako bouka, et zalara toujours. Si Mukolondenge Mukili est aussi là. Dengue Nzamba Lobi, je crois que nous connaissons Genèse, je crois chapitre 8, verset 23. C'est-à-dire que l'on en a que Bouka et que Zalara toujours. En tant que Bissot, que participer à la bien la Bissot ensemble, ils ont dit que l'on a Nzamba Rosong, c'est Bissot à Bouka. Donc, il faut qu'on participe à Moussala Nzambe pour l'homme de Dieu, Azoélo Rarolia, et qu'on puisse aller Makasi, Abana Koko, quand on a présence à Nzambe, pour Abimisa, Ozali, Makabakito, pour appeler sa peuple de Dieu. Voilà. Donc, je crois que ce n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Voilà. Kokabela basala nzambe za mabete, mais ça te que foto pesaka forcément un dixième. Non. Non. D'après l'enseignement, docteur Roger. Alors, nous revenons na makambo lobaki parce que votre ministère s'articule trop sur l'enseignement. Quand vous faites la lecture de notre société actuelle, avec les réalités actuelles, par exemple la pédophilie, l'homosexualité, il y a plein de choses. Quel enseignement vous pouvez proposer à cette nouvelle ou bien à cette moderne société? Quel enseignement? Parce que yo enseignement. Si on nous a mon abouet, comme il a macabat, nous sommes bien non, ils ont mon bal, ils vont pas là. L'état est nimi. On va couper par le bino. Tata, 70 ans, puis à couper la vie moins à 12 ans. L'état est à condima. Voilà. Quel enseignement vous pouvez proposer à cette société et quelle chance vous accordez à ces enseignements d'être reçus, d'être captés par cette société? Ça c'est bien. D'abord la société en soi, tout coca côté à un côté,
mais tout est à bateau basé dans la société. Voilà. C'est-à-dire parce que la société actuelle, ils ont rempli na bateau basé dans le milieu mabé. Et puis bah on est basé au régné, c'est-à-dire le franc-maçon, tout ça. Mais la carte société, tout ça en bas dans Zambie. Oh les sous dans basé en Seymate. Parce que bateau wana, toi et Sabango, faites vite, sortez du milieu de ces gens-là, apprenez l'enseignement parce que bientôt nous allons rentrer à la maison. Okay. C'est-à-dire, bo yambango, bo ndi malilo balanzambe, bo abandonner le péché. Oh bozo mona na nukutu bo monité, parce que koko ma plus grave. C'est-à-dire, bah tu vois, exactement ton côté, bah on bati, kaba homosexuel, non, bah on tikaté. Au côté, il faut que tu aies ma casse. Mais yonde moi nanzambe de bima. Bima kuna ba société wana, bima na milieu ba homosexuel, bima na milieu ba menteur, bima na milieu ba soumou. Yaka mena na o ezali liloba na Nzambe, bongama parce que bientôt mokilezo baluka complètement, mais ba na Nzambe biso tozo ke ne poto ke kopema. Voilà. OK. Alors nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien. Concept oyo ensemble. Ensemble des élus, bien ensemble des saints. Oui. C'est structuré comment? Qui est le chef? Qui donne l'autorisation? Que bosse l'ensemble nabino? Est-ce que Moutabola l'appelle à la mouki? Bon, on a sali pour moi, mouvement n'angaya, mais qu'on appelle ça au crédit, bien là, docteur Roger, à côté, comme ça. Mon assemblée sera reconnue. Dites-nous voilà. Un peu cette. Na mon ils aiment bien hein. Na compter na bise assemblée, de boyer assemblée. Hein? Voilà. Et il y a pas d'organisation, il y a pas de hiérarchie qui dirige, qui contrôle. Mettez bise non les solo à bâtir ce peu va y bambala moko. Ça c'est bien. Normalement, elle est l'Église, l'Église corps du Christ est dirigée par Christ lui-même. Tu bien un corps du Christ. Autant tu dis Christ y est moko, c'est-à-dire Église nion normalement il faut être dirigé par l'enseignement. Ce qui église est vendu dans l'enseignement, dans une église, on est à l'aise. C'est ça. Donc, une église à Fulani, on est à l'aise. Pourquoi? Parce que, nous on a vendu dans l'enseignement, yo vendu dans l'enseignement, à Tokéi, à Taïwan, les réseaux Kotaboué. Mais on a dit que c'est le même enseignement. C'est-à-dire, la Bible est mon corps, tu vends ici l'enseignement mon corps. Donc, le corps du Christ est dirigé par Christ lui-même. Le chef, comme ça, tu as été. Chef, chef, tu as des paroles. Paroles, tu as coiffé par l'église. Il y a aussi un pas de la Tali, il y a un enseignement. Na mona moi mon boule na bali ko ba nani asa chef a c'est que za pasteur yé moko yé mta ko ti biloko na yé tu vois mais soki na kouté loko moko o nga na yébité biso soko na enseignement biso na retourno question bi na moni loko bo pa na yo alors que nga na yébé la mbote zandengeni to ça auto bengaka partage ça dit na bi ah bine pa na bino ba voiture zota mo la 4 pneus mais pa na biso ko tambo la na 6 et loni ça li bon nga na osprika bi oui parce que bino 4 pneus pour vanzela bino za minene et pa biso vanzela les amuki ah moto yo kani mais to ça li quand même partage donc c'est ça en fait l'église donc chef na mutu azate OK non yenda zara archibishop donc les révérends représentants les ala raté biso nyo soto za ba frères ensemble mais toujours respecté biso tout toujours soumis à l'enseignement mais cependant cela n'exclut pas qu'il y ait ce qu'on appelle hiérarchie c'est-à-dire la structure du genre il y a quand même des aînés où il faut appeler par exemple un conseil tangoulem sous sous parce que tous ça bah jeune bato ba ko côté sika na kata musala il faut qu'il y ait des gens des aînés au roi ko sunga yo ndé ni ko tambo jusqu'à ce que on va atteindre un niveau très élevé. Okay. Voilà. Alors nous sommes presque vers la fin de notre entretien. Donc je recevais pour vous le docteur Roger Bouleli. Le docteur nous vient de la Belgique, le docteur est l'un des pionniers ou des gens qui font la force de cette structure que nous appelons les ensembles des enfants de Dieu. Le docteur a fait le déplacement de la Belgique pour venir édifier les enfants de Dieu qui sont à Beerstown, Illinois, ici aux États-Unis. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que vous pouvez adresser aux enfants de Dieu ou bien s'il y a quelque chose de très important que j'allais évoquer, mais je ne l'ai pas évoqué, donc au Koki Koloba. Oui, et là, on a eu Koloba à Ezali, Batunios Bazo Landabiso. Vous avez remarqué que ils ont la force moko au Ezoya dans l'évangile de Otea. Force ou à Ezali, il y a rassemblement, il y a bas élu. C'est-à-dire, tout ça, la haine fort. Et puis, nous avons besoin d'aider, qui m'a mbangu.
de sorte que bah onion soba lingaka enseignement auto zo présenté basangana partout na monde eza mindele eza ba chinois parce que partout eza ba chinois eza ba indien le to comme na États-Unis partout na monde bo ba ko se préparer parce que to zo ngandako c'est ça notre enseignement ça. Commencez à vous préparer parce que to zo zo ngandako très bientôt le Seigneur a zoya ko zo biso alors tout le monde s'est rassemblé, c'est-à-dire partout dans le monde, tant que vous êtes à telle place, venez vite. N'attendez même pas. C'est vrai, vous avez une occupation, mais vous avez une occupation, parce que le monde, il faut tourner, parce que même les francs-maçons, ils ont été en train de se faire, parce que vous avez une occupation, parce que tant que vous avez une bango, c'est-à-dire la bête. Il faut la bête à yambango. Oh, n'est-ce pas bête à yambango? Bisopé, il faut tout ça à yambango dans Maramanzambe. C'est-à-dire, tout banako koutana, tout sangana, tout prenez aux Isaïe le balanzambe, passe partout. Et si tu as dit, tout respecter la parole, tout tcha, la sanctification en marche. Et c'est comme ça que bientôt, tous ceux qui écoutent en fête à Mouné, parce que, et tous ceux qui écoutent en fête à Mouné, une fête mourra grave. Non, fête à ma Congolais. Faites une blague, t'es donc sur vos athées, comme ça. Faites une blague. Mais maintenant, faites une blague. Faites une blague, ma tata, donc vous rassemblez, bah, tout nous sommes là. Parce que, vous avez une conférence, mais ça, maman a rencontre. Mais ma problème, c'est que vous allez, pour qu'il y ait une il faut que vous changez une automatique. Donc, on couffe à côté quand on a un exemple. On va vivre, on va changer, mais on va couffer comme un baby. L'amour qui est automatique. Et ça fait, il y a une conférence. Non, mais ça, conférence à mon nom est salamate. Ah, la trouble est tout. Quand il y a le buffet, il y a un boulot dans l'état, il y a une ville, il y a un peu de choses. Je ne vais pas changer de tout, mais il faut faire un bonheur. Il y a deux personnes, il faut animer que frère Lionel, il y a une époque, il y a un peu de temps. Donc, quand il y a une belle, elle est sassie. Bon, on a un bon maillot, ok, il y a un fait. Il y a un maillot, mon copain. Non, 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 non. Je veux juste dire que la noce de l'agneau, et ce qu'on a calamé, mingité okay. Et que bah on nous mazali ba na nzambe to rechanger ba ko to zo mata poto ke ne rencontre na biso. Vraiment. Pourquoi? Parce que mobali na libala a koza na kanda a beta mokili parce que mokili tema masou metondi alors nzambe fa beta mokili comme na taille à Noé. Mais avant beta mokili na taille à Noé azina no Noé a kotise non na arche a kimisi à la beti mokili omoni avant beta Sodome na Gomo azina no Lot na bana ye a kimisi bango après beti mokili si ko pa beta mokili oyo il fa sa biso dans nos fêtes biso dans notre kei après beti mokili donc dans sans on dena ngena lobela ngo voilà donc biso dans notre kei après beti mokili wana voilà il y a docteur Roger bon nos mots sont essentiellement pour vous remercier d'avoir suivi cet entretien avec le révérend docteur Roger, je crois que vous avez été édifié par ces enseignements, moi-même aussi également. Ça, c'est bien. Ça m'a vraiment touché. Donc, merci. Alors, n'hésitez pas de vous abonner sur notre plateforme Coaching TV. Vous savez qu'à chaque fois que nous venons vers vous, c'est pour vous apporter des gens comme ça, qui vous disent des choses, n'est-ce pas, qui vous amènent à réfléchir encore. Donc, merci beaucoup et puis on se revoit à la prochaine. À la présentation, c'était votre humble serviteur Toussaint Mungidi Molakisi Mingi Mingi, the coach. God bless you and see you next time. Merci. Bye. Tac.